Good morning, Aleïda Nelechus, aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther Bat Myriam, et ainsi que l'Irfouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Hamshat Myriam Bat Rosnena, Binyamin Ben Chaviva, Betor Shah, Ol Israël, si vous souhaitez aussi d'aider, le prochain étude de Mishnah, qu'on appelle 5 minutes éternelles. Nous étions Masrach Shabbat, Perek Raf Aleph, Mishnah Aleph. Notel Adam et Beno, Veha Even Beyado, Vechalkala, Veha Even Betocha, ou Metal Telin, Tromat Mea Imateora, Veim Achulin, Rabbi Yehuda Omer, Af Maalin, Et Hameduma, Vechadumea. Et on commence à traduire notre Mishnah qui nous parle en fait des Ilchot Mukhtse, plus précisément, déplacer un bassiste plutôt, on va dire comme ça, déplacer, c'est fréquent, ça se retrouve dans les tiroirs où vous avez dedans, où vous avez un objet Mukhtse avec un objet permis. Comment déplacer concrètement un panier où il y a dedans des choses permises et des choses interdites? Et la Mishnah me dit comme ça. Je commence à traduire, après on va faire de l'ordre. C'est pas compliqué. Notel Adam et Beno va even beyado. Un homme a le droit de prendre son fils dans les bras, même s'il tient une pierre. Soit la pierre, j'ai pas le droit de la déplacer pendant Shabbat. Un interdit de Mokhtse classique. Mokhtse Mahmad Goufo. Le petit, il l'a prise dans les mains. Et maintenant, moi je veux prendre le petit, j'ai le droit de la prendre. Apparemment. On va expliquer que c'est pas exact. Mais pour le moment tel que c'est écrit, c'est comme ça. Je le prends et il a la pierre dans la main. Ou encore, Vechalkala, Veha even betocha. Il prend aussi un panier et il y a dedans une pierre. Moi j'ai besoin du panier. Je prends le panier, je le déplace, même s'il y a une pierre dedans, alors je n'ai pas le droit de déplacer la pierre. On va aussi expliquer qu'on parle d'un panier où il y a dedans des fruits, comme ce qu'on va, dans quelques secondes, je finis d'avoir encore le troisième cas, au metatelin, tourmatmaï, mateora, vimacholin, on a le droit aussi de déplacer de la tourmatmaï, de la tourma, c'est ce qu'on a prélevé pour donner au Kohen, qui est devenu tamé, qui a été impurifié. Donc, dans ce fait, ce n'est plus consommable par le Kohen, c'est plus consommable par le Kohen. C'est prédestiné maintenant, le Kohen peut le donner à manger aux animaux, mais on n'a pas le droit de le donner à manger aux animaux pendant Shabbat, parce qu'il y a une halakha qu'on avait appris dans le Perek, bête de Shabbat, qu'on n'a pas le droit de détruire, même de donner à manger un animal, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, une trauma qui a été impurifiée. Il y a un interdit, on ne va pas rentrer dedans, on n'a pas le droit de... une trauma qui a été impurifiée, donc qui est prédestinée maintenant à être détruite, ou même à donner à manger un animal, c'est une manière de la détruire, on n'a pas le droit de faire cette action-là pendant Shabbat. D'accord? Et comment ça a été dit? On le lit, tous ceux qui disent le Bamé Madlikin le Shabbat, ils le disent, « En Madlikin Bechemen Tserefa Beyom Tov » c'est écrit dans cette Mishnah, on n'a pas le droit de brûler du Shemen Tserefa, de l'huile prédestinée à être brûlée pour un Kohen, une trauma qui est impurifiée, même si c'est le droit de la brûler pour se faire éclairer, il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, parce que « En Sorfin Kochim Beyom Tov » d'accord? Les filles, chez elle, Madikin, Beshamatov, Shen Sofin Kochim Beyomtov, c'est écrit dans le Mantan dans là-haut, c'est le même principe ici. Donc, la Tromatmea, on n'a pas le droit de la donner à manger aux animaux pendant Yom Tov. Maintenant, dans un panier, j'ai des fruits permis, qui peuvent être Tromateora, qui peuvent être des fruits qui sont roulines tout simplement, avec de la Tromatmea. Je veux déplacer tout le panier, et bien la Mishnah me dit, j'ai le droit de le déplacer. Voilà, on a trois cas de figure où je déplace un objet. Un panier qui contient deux choses permises et deux choses interdites. En réalité, il faut refaire de l'ordre. C'est pas exact. On n'a pas le droit de le déplacer n'importe comment. On a le droit de le déplacer que si on n'a pas le choix. C'est-à-dire, tant qu'on a moyen de contourner le problème, à savoir, la Mishnah l'explique par exemple. Je l'explique de manière un peu vague, et je m'intéresse plus sur le deuxième cas en réalité, qui est de déplacer le panier avec, dans lequel il y a une pierre. La Gemara l'explique, attention. On parle que c'est pas... Si c'est des noix, par exemple, que tu peux tout renverser et tout remettre dans le panier, alors tu renverses tout, et tu remets les noix dans le panier, et tu laisses la pierre, t'as pas le droit de la déplacer pour rien. Même si t'as pas d'intérêt pour elle. Si toutefois maintenant, t'as besoin de la place du panier, donc ça sert à rien de renverser et de laisser la pierre, parce que t'as besoin de la place. Donc dans ce cas-là, t'auras le droit de déplacer. D'accord? Et donc on parle en fait de fruits qui vont se salir si tu vas les retourner, que tu vas les renverser pour les remettre ensuite dans le panier. Et on parle aussi que tu peux pas les bloquer de faire tomber la pierre. D'accord? Et l'agma, elle explique même un peu plus compliqué que la pierre, elle est en train de boucher un trou du panier, enfin, j'ai besoin de la pierre pour pouvoir déplacer. Voilà, vous avez compris le principe. En réalité, tant que tu peux contourner le problème, ne pas la déplacer même en même temps que l'autre, eh bien, tu dois le faire, tu dois agir de la sorte. Quand tu es bloqué, tu n'as pas le choix, alors là, tu as la permission. Soit, à savoir, je répète encore une fois, à savoir, si tu n'as pas le choix parce que tu as besoin de la place du panier, c'est le cas le plus classique, donc si tu vas te mettre renverser les fruits pour utiliser la place, tu vas te retrouver avec une pierre par terre, donc. T'as pas d'intérêt, donc tu déplaces le tout. Et, ou encore, si t'as besoin juste des fruits, si tant que t'as la possibilité de pencher l'ustensile pour que le panier, pour que la pierre tombe et que tu gardes les fruits, tu le fais. Si c'est pas possible, parce que les fruits vont tomber, ils vont salir, c'est alors là, ça devient permis. Et c'est le même principe encore, je continue avec le cas de la tourmat mea imateora.
On parle de nouveau du même principe que la Trumat Tmeor, en fait, tu vas la donner à manger aux animaux, tu peux pas la renverser. Parce que si c'est des fruits collants, du style, je sais pas, imaginez des fruits, des pruneaux, des choses comme ça. Le Bartholomew a dit, par exemple, Toutim Vanavim, des fraises et des raisins, qui sont un peu humides de nature, donc tu vas la renverser, ça va prendre la terre, ça va se salir. D'accord? Donc là, c'est là où tu as la permission de déplacer le tout. Je reviens maintenant sur l'histoire du petit qui a la pierre dans les mains, et la Gemara, elle explique en fait. Le petit, avec la pierre dans les mains, en réalité, tu as le droit de le déplacer, parce que si possible, tant que tu peux te faire tomber la pierre, tu dois le faire. Le problème, il est que le petit, la Gemara, elle explique qu'on parle d'un enfant qui est alors gigouine à la vie. Bon, c'est un gosse qui est en train de pleurer, en train de suffoquer, parce qu'il a besoin que son père il le prenne dans les bras. Donc c'est pas le moment de lui faire tomber la pierre, sinon il va pleurer encore plus. En fait, si on a la possibilité de l'embrouiller un petit peu, de lui faire tomber la pierre, alors là, on préfère agir de la sorte, on lui fait tomber la pierre, puis après on prend le petit. D'accord? Et la Gemara précise même encore, si toutefois il a une pièce dans la main, que dans ce cas-là, on craint que si toutefois, quand tu vas le prendre, il va faire tomber la pièce, quand il va faire tomber la pièce, tu risques de la ramasser, tu n'auras même pas le droit de déplacer le petit avec la pièce. Parce que là, on craint que tu vas déplacer la pièce directement. Et je passe à présent sur la fin de la Mishnah, avec l'histoire de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Afmanin et Tatrouma Bechad Omer. Et ta Medouma Bechad Omer. Medouma, on parle d'une Trouma qui s'est mélangée avec des fruits Choulin. À savoir, cas classique, je donne un cours dans la chambre de la petite, alors faut pas lui en vouloir si elle pleure. Et dans mon salon, mais elle dort dedans. Et il y a du Medouma, c'est que quand je prélève des fruits, les fruits, maintenant je peux les manger, et j'ai ici la Trouma à donner au Cohen. Medouma, on parle que cette Trouma, ensuite, elle est retombée dans les fruits. Il y avait 100 fruits. En théorie, j'ai le droit de manger, mais à condition que je prenne la Trouma et je la ressorte. Même si je ne sais pas où elle est tombée. Je dois prendre des autres fruits en contrepartie. En fait, concrètement, ça se passe comme ça. Les fruits s'annulent, parce qu'ils sont tombés dans plus que 100. Les fruits s'annulent, mais il y a une halakha malgré tout de prendre malgré tout des fruits, la quantité qu'il y avait pour Apto Kohen, et je dois reprendre ces fruits-là pour les donner au Kohen. Tant que je n'ai pas fait ça, tant que je ne l'ai pas prélevé, je n'ai pas le droit de manger les fruits en théorie. De ce fait, je me retrouve avec des fruits, un panier où il y a 100 pommes roulines avec une pomme trauma qui se sont mélangées. Je n'ai pas le droit de manger ces fruits en l'état. Il faut que je ressorte un fruit pour le donner au Kohen. Faire cette action, apparemment, c'est semblable à une action de réparer pendant Shabbat. Autant qu'on n'a pas le droit de prélever des fruits pendant Shabbat. On n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat si on a des fruits qui sont roulines, qui sont Tevel, j'ai pas le droit de procéder au prélèvement pendant Shabbat. Et de la chôte, comment procéder pour faire si on a besoin de prélever pendant Shabbat, parce qu'on est dans un endroit, il faut faire le Tenaï avant Shabbat, il y a plein de conditions. J'ai pas le droit de prélever pendant Shabbat parce que je répare. Il y avait quelque chose qui n'était pas mangeable et que je le rends mangeable. C'est assimilé à l'interdit de Metaken et Midara Banane. Et donc j'ai pas le droit de le faire. Au même titre aussi, la Trouma qui est tombée, donc la pomme Trouma qui est tombée dans les fruits, dans les 100 fruits, en théorie, j'ai pas le droit de la relever pendant Shabbat. Parce que je suis en train de réparer les fruits. Ça, c'est l'avis de Tanakama, Bémet. Il est interdit de faire ça. Et Rabbi Yehuda me dit, sache que malgré tout, tu as le droit de le faire parce qu'il y a une halakha particulière. Au lieu de prélever des fruits, il faut savoir, selon Rabbi Yehuda, l'halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda. Exact. C'est que, c'est vrai que tu dois prélever un fruit, mais tu n'es pas obligé de prélever le fruit de la trauma pour réparer le tout. Tu peux juste sortir un fruit permis et dire, lui, je le mange pour le moment. Et lui, je le mets sur le compte des roulines. Et tu fais comme ça, tu prends ça, tu peux manger plusieurs fruits. Partant de ce principe, puisque ça c'est une halakha qui est générale, ou ilchot, Medouma, d'accord, dans la halakha de Medouma, tu n'es pas obligé, selon Rabbi Yehuda, c'est la Gemara l'explique, c'est notre avis aussi comme ça, tu n'es pas obligé de prélever forcément la trauma tout de suite pour manger deux fruits. Tu peux prendre aussi un fruit, tu dis, lui, pour le moment, lui, c'est pas le fruit interdit, je le mange. Après, tu prélèveras la suite. Puisque tu as moyen maintenant de procéder et de manger tous les fruits, parce qu'en potentiel, tu peux décider que n'importe quel fruit, tu vas le prendre et le manger. Il s'avère que les fruits, pour le moment, ils ne sont pas interdits, puisque j'ai accès aux fruits pour les manger. Puisqu'ils ne sont pas interdits, chaque fruit n'est pas interdit, de ce fait, lorsque tu vas prélever la trauma, tu ne vas pas le réparer, puisque je répare que quelque chose qui était inaccessible. Je ne pouvais pas toucher ces fruits, parce que c'est interdit, donc quand je retire la trauma, c'est permis. Mais puisque les fruits, je pouvais les manger, puisque j'avais un moyen de contourner le problème en sortant quelques fruits et les mangeant. Et en potentiel, même tous les fruits, je peux les manger de la sorte. Il s'avère que les fruits ne sont pas cassés, ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas inaccessibles. Puisque les fruits sont mangeables, en théorie,
De ce fait, tu peux aussi prélever la Trouma. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Tu peux ressortir la Trouma et réparer la Médoma de la sorte. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.